Bien le bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission sur tout ce qui est buzz, actualité, polémique, sur la toile dans le milieu du showbiz et partout dans le monde. Alors, dames et messieurs, vous êtes dans votre meilleure émission, l'émission dans laquelle vous vous sentez toujours bien, parce que vous êtes toujours avec nous, c'est le Fafa. Là où on se regarde, on se dit ce qui se passe, on se parle directement, et puis ça ne va pas créer pas. On appelle ça Fafa. Alors, dans ce numéro, aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un. Mais avant tout propos, je tiens d'abord à saluer la présence de mon binôme de tous les jours. Celui qui a les questions, Tony Triomphe, le Big Anaconda, Anaconda. Merci. Alors, recevez la légende vivante toujours au contrôle du Fafa pour vous présenter tout ce qui va se passer et les hostilités. Alors, l'invité de ce jour, c'est quelqu'un qui est assez controversé. Par moment comprise, par moment incomprise. À un certain niveau, elle dit « Je suis comme le lampadaire. C'est moi qui allume et c'est moi qui éteins. » Et c'est quelqu'un qui a une carrière à dimension internationale. De partout dans le monde, elle est connue. Elle est talentueuse. À plusieurs reprises, elle a rempli des grandes salles partout dans le monde. On parle d'elle et elle n'a pas la langue dans la poche. C'est quelqu'un, c'est soit tu l'aimes ou tu la détestes. Moi, je l'appelle Sawa le lampadaire. C'est moi qui allume, c'est moi qui éteins. Dames et messieurs, recevez ici même l'une des meilleures de sa génération, la grande Yves-Vidéo. Merci. Voilà. Alors, bonjour Yves-Vidéo. Bonjour mon grand frère Défali. Oh, c'est un plaisir et un honneur inimaginable de te recevoir dans le Fafa avec mon type Anaconda. Anaconda. Oui. Je ne sais pas si tu connais mon frère Kenzo. Très souvent, quand ce show-là, il met dans son bureau, il me donne un peu d'argent. Je vais le saluer quand même. Kenzo, on a un vidéo. Cache-monnaie. Ah, lui, il partage beaucoup l'argent. Ah, tu vois, non. Moi-même, quand ça ne va pas, je vais là-bas. Kenzo, tu as entendu, non? C'est comme ça. Non, non, moi-même, quand ça ne va pas, je vais là-bas. Bon, donc, il y a un autre aussi, là, Hugo Gatti. Ah, non, lui, c'est Défali. Ah, non, quand ça, c'est mon type à moi, ça. Hugo Gatti, big up. Ah, je viens là-bas, Hugo Gatti. Ah. Yves, je te trouve très joli. C'est vrai? Oui, tu es super joli, naturellement. Très gentil. C'est ma première fois de te voir comme ça, tu es très jolie. Si. Waouh, c'est très joli. Ah, merci. Tu as vu déjà, tu es un admirateur. Je te dis. En fait, je ne suis pas fan, mais tu trouves très jolie. Oui. Tu n'es oui. pas fan. Oui. Mais elle est très il jolie. Il peut apprécier. Je te dis. Moi, je vous trouve très élégant, par contre. Merci, c'est bon. Ça, il apprécie. Si tu as commencé à dire ça, il va commencer à être fan. Non, non, style anglophone. Oui. Moi, j'aime les hommes qui marquent un peu. Là, un peu les différences. Oui, j'aime pas le commun. D'accord. J'aime l'original. Merci beaucoup. Tu es plus ou moins sujet à polémique. Les rumeurs, tu dois t'attendre à pas mal de choses. Mm-hmm. Aujourd'hui, il y a la rumeur sur notre ministre de la Réconciliation accusé de viol. Mm-hmm. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est quoi ton point de vue? Eh bien, j'ai suivi ça. Hein. J'étais à Paris parce que tu es rentré de Paris. Là, hier. Hier. Donc, j'ai suivi ça vraiment très rapidement. Mm-hmm. Et bon, je dis, déjà, le viol, c'est quelque chose qui est condamnable. Ce n'est pas une bonne chose. Le viol ou toute violence de tout genre. Ouais. Mais connaissant le ministre Kakabé, que je salue au passage, cela m'étonnerait. Ok. Donc c'est mon point de vue. Okay. Vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe, tout le monde veut attirer l'attention. Et puis tout le monde veut aussi créer des polémiques et tout le monde veut s'enrichir de façon triste. Ouais. Vraiment, ce sont des allégations très dangereuses. Ouais. Et je pense que cette personne-là détient quand même assez de preuves pour pouvoir avancer de tels propos. Ouais. Donc, comme nous sommes dans un état de droit, oui. Je dis toujours le pays est désormais gouverné. Mm-hmm. Donc, je pense qu'on a des autorités compétentes qui pourront saisir cette affaire-là et élucider cette affaire. Ce qui est sûr, nous sommes de tout cœur avec le ministre. Parce que moi, je dis, on monte, on descend, c'est notre parent. Il n'y voit rien. D'accord. C'est quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un d'une autre communauté bien que sûr. Nous soutenons aussi. Parce que je suis une femme. Oui. Et quand une femme crie au viol, normalement, par solidarité féminine, je dois me ranger derrière cette dame-là. Femme. Mais comme aujourd'hui, je dis et je réitère mes propos, on ne sait plus. Il y a des gens qui se sont... On ne sait pas.
Donc, on ne peut pas prendre parti. Parce que vous n'avez pas encore la clarté. Voilà, il n'y a pas la clarté dans cette affaire. Mm-hmm. On est de tout cœur avec la dame. Oui. On lui demande pardon. Voilà. On lui demande pardon. Nous, les Ivoiriens, on n'est pas dans ça. Mm-hmm. On lui demande pardon. Et puis, on laisse tout entre les mains de la justice. D'accord. Dis-moi, c'est vrai que tu as une relation à Côte d'Ivoire avec Feu Ouattaro? Feu Ouattaro. Oui. Le colonel major. Mm-hmm. Il paraît que tu as une relation courte durée avec lui. Bon, comme tu es là, et tu comme en dit... il paraît, t'as dit là. Mm-hmm. Il paraît, devait t'expliquer. Son avant les relations à Ouattaro, c'est pas mauvais. C'est un homme. Non, c'est un bel homme. C'est un très bel homme, même. Voilà. Ah, voilà. Toi-même, tu connais. Voilà. Voilà. Eh bien, Ouattaro, c'était mon papa, mon grand frère, mm-hmm. mon confident. C'est quelqu'un qui aimait l'humour. Très proche. Oui. C'est quelqu'un qui aimait l'humour. Mm-hmm. Ouattaro, lui, il peut t'appeler pour rire seulement. Donc, maintenant, là, qui t'a dit, là, mm-hmm. si tu les vois, tu les salues pour moi. Mais de toi à moi, tu n'es pas sorti de avec lui. De toi à moi, comment? On est devant la caméra, tu me demandes de toi à moi. Donc, tu es sorti lui ou pas? Je ne suis pas sorti avec lui. Bon, ok, mais donc, Yves Duro, alors dis-nous, mm-hmm. quelle est ta position matrimoniale? Tu es marié, tu sors avec mari des gens, ou bien tu es deuxième femme de quelqu'un? Pour l'instant, je pense que tu le connais très bien d'ailleurs. Ok. Tu le connais très bien. Donc, si il a une autre femme dehors, ça c'est avec toi que je vais régler. Parce que c'est ça aussi. C'est ça aussi, ouais. Voilà. La vision fait partie. Parce que tu le connais. D'accord. Maintenant, si tu oses me poser ce genre de questions, ça veut dire que tu y a des choses que tu sais que je ne sais pas. Non, peut-être moi, il pose la question pour ceux qui ne le connaissent pas, qui nous regardent. Ah, d'accord. Si moi, je sais que pour l'instant, c'est moi qui ai le brassard. Maintenant, si dehors, vous savez, les hommes, il peut quand même picorer. Ah, ils sont volages. Voilà, dehors. Le brassard, c'est quoi? Tu es marié légalement, mais tu es sa petite amie, mais sa maîtresse attitrée. Non, je ne suis pas sa maîtresse attitrée. Je ne suis pas sa petite amie. Je pense qu'on a dépassé même un certain stade. Voilà. Mais le brassard, c'est quoi? Le brassard, ça veut dire que c'est moi, je suis à la maison. Voilà. Tu vis en concubinage à cet âge-là? Aïe, je ne vis pas en concubinage, je vis avec quelqu'un. Avec qui j'ai déjà franchi certaines étapes devant les parents. Vous êtes fiancé? Oui. Ah voilà, il faut dire ça. On est fiancé? Ah, c'est une bonne chose. Tu as une fille de 6 ans? Oui, elle aura 7 ans bientôt. 7 ans. Oui. Comment elle a réagi si l'homosexualité, qu'on t'a taxé? Comment elle vivait ça à la maison? Bon, déjà, ma fille n'a pas droit à la télé. À part les dessins animés. C'est ce qui a été imposé à la maison. Ma fille a droit à la télé que le vendredi soir, le samedi et un peu le dimanche. Mais c'est que des dessins animés, des séries pour enfants et tout ça. Elle n'a pas droit à Internet. Une fille de 6 ans qui vit en France n'a pas accès aux réseaux sociaux? Oui, elle n'a pas accès aux réseaux sociaux parce que c'est l'éducation que je lui donne. Et je remercie Dieu pour la santé de ma mère parce que ma mère aussi lui donne, en même temps avec moi, sur son éducation. Donc, en toute franchise, ta fille n'a pas eu écho, si le mot c'est Non. Elle n'a pas eu écho, mais elle a su que maman avait un moment un peu vraiment pas bien. Donc, elle me soutenait à sa façon. Mais sinon, pour dire homosexualité, tout ça là. Elle n'a pas su. Parce que franchement ça m'embêtait un peu à ta place, une fille de 6 ans, la rumeur dit que tu es homosexuel, la rumeur dit que c'est faux, puis bon, tu as une fille de 16 ans dans son école, dans son milieu, et 6 ans, comment elle réagit? Ah non, ma fille, elle fait ses études en France, et c'est vrai qu'en France, dans son école, il n'y a pas beaucoup de noirs, mais les quelques mamans qui sont là me connaissent, mais je fais le maximum pour qu'on ne me voit pas dans son école. Pourquoi tu as un complexe? Non, je n'ai pas de complexe. Un jour, ma fille, elle est très éveillée. Lui, il la connaît. En Abidjan, ici, elle était dans une école française. Et la maîtresse a su que c'était ma fille. D'accord. La maîtresse a commencé à m'envoyer des mails. La maîtresse a commencé à privilégier ma fille. Ouais. Au détriment des autres enfants. Donc, ça m'a un peu gênée. Et ma fille même m'a dit, maman, c'est-à-dire, elle veut vivre normalement. Normalement. Et ma maman me fait ce reproche. Son papa aussi me fait ce reproche. Donc, j'évite. C'est le papa qui défendait qu'on est là. Ce qui est sûr, ça, c'est pas ton affaire. Non, je demande. C'est comme ton problème. Frère, ton ami d'enfance, dit, ton grand frère, ça, ta fille de 6 ans, c'est le papa qui défendait qu'on est là. C'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Bon, défendait, c'est le papa qui connaît là. Il n'a pas demandé. C'est elle qui est l'invité, c'est pas moi. L'invité.
C'est pas mon pose question. Tu m'as posé une question, il va finir de répondre, tu sautes, tu t'en vas là-bas. Non, tu parlais du papa de la fille de 6 ans. J'ai si dit, si ça c'est pas ton affaire. Ce qui est sûr, le monsieur qui est avec moi là, c'est son papa. Mais le papa biologique, là, il est où? Ça c'est pas ton problème. Si quelqu'un te demande un jour, il faut dire tu sais pas. Ah non, tu peux pas dire c'est pas tu en face de moi. Je te non, 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 non. C'est moi où je suis là, j'étais le moment où tu as acheté ta cravate là. Si je te dis que c'est dans mon Donc, tu n'as pas de bon rapport avec le papa, mais la fille ne voit plus son père. Non, pourquoi? Ah, mais il faut bien parler de lui. Non, 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 non. Le père de ma fille, c'est un homme formidable. Mm-hmm. Ça, là, seulement, il faut laisser. C'est un homme formidable, le père de ma fille. Elle ça. Voit son papa bien même. Il parle bien même. Tu ne peux même pas te mettre entre les deux. Mm. Le papa t'a défendu un peu quand t'as accusé de homosexuel, oui, là. Oui, oui, oui. Il m'a plus que défendu. Ah ouais? Il a pleuré même. Mmh. Oui, oui, oui. Alors, concernant cette actualité, nous savons tous, hein, Evie, ce qui s'est passé. On ne va pas revenir dessus parce qu'on a tous vu le déroulement de cette histoire. Mmh. Comment ça a commencé par l'accusation, après la plainte que tu as portée, après il y a eu arrestation, et après il y a eu incarcération, il y a eu jugement et tout. Lors du jugement, sur la toile, tous les téléspectateurs ont su ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, on se rend compte que Love Gugu soit un single appelé La Paix, La Paix. Bon, comment tu peux définir ça à la sortie de tout ça? Comment je peux définir? C'est-à-dire, en fait, je ne veux plus donner de lucarne d'accord. à certaines personnes. Okay. Je pense que dans le passé, j'ai eu à pouvoir tendre la main à des personnes que j'ai connues, que j'ai fréquentées, de différents bords sexuels. Parce que je ne suis pas homophobe. Je le souligne. Je n'ai pas de problème avec les personnes qui pratiquent l'homosexualité. C'est vrai que ça ne va pas avec ma religion. Mais de loin, je ne juge pas, je respecte. Vous comprenez? D'accord. Vous savez un peu comment ça se passe dans le milieu, surtout du showbiz. Ok. Eh bien, moi, en parlant de l'homosexualité, même dans mes vidéos, ou en emmenant quelqu'un même d'homosexuel dans une de mes vidéos, c'était honnêtement pour montrer un peu comment c'était vu par les Africains et montrer comment c'était vu sur le territoire européen. Voilà, si vous voyez, même après, il n'y a plus de collaboration. De collaboration. Je crois que j'ai fait 3 ou 4 vidéos même qui parlent de l'homosexualité un peu, ma position. La plupart du temps, lesbiennes. Voilà, la plupart du temps dans mes vidéos, je montre un peu ma position vis-à-vis de certaines choses. C'est vrai qu'il y a certaines moralités, mais je joue souvent le rôle de ce que je ressens, ce que je vois. Non, moi, ce que je voulais demander, en toute franchise, hein, on est devant les caméras, c'est ton domaine d'activité qui fait que tu es avec les lesbiennes ou toi-même, tu as des amis lesbiennes. Domaine d'activité ou non? Oui. Avant même d'être Yvie Dereau, tu avais des amis lesbiennes? J'ai eu un bar. Non, il ne parle pas de ton bar. Écoute, tu as eu des amis lesbiennes? J'ai eu un bar. Tu as un bar, tu es dans la nuit. Quelqu'un qui est dans la nuit a toutes sortes de clients. Des clients. Mais aujourd'hui même. Mais les toutes sortes de clients, là, on connaît. Lui, il est sous là, lui, il est bois crédit, lui, il est braqué, lui, il est lesbienne, lui, il est crédit. On connaît. Oui, oui. On est d'accord. Oui, oui. Donc, réponds-moi. Dans ton passé, tu avais des amis lesbiennes ou c'est ton domaine d'activité qui fait que tu es avec les lesbiennes? Je suis en train de... Je réponds à ta question pour te dire que aujourd'hui, plus personne n'est à l'abri même de ce genre d'amitié. Bon, aujourd'hui, si tu veux que je te dise la vérité, ce truc-là m'a tellement choqué que je ne veux même plus même avoir affaire à eux. Non, je ne comprends pas bien. Je suis en train de te dire. Non, ce n'est pas qu'à faire, toi, tu as des amis lesbiennes. Donc, j'ai connu des personnes homosexuelles. Et vous êtes devenus amis. Mais tu peux les connaître, mais pas devenus amis. Non, non, non. Pas. Quand tu parles d'amitié, c'est des gens que tu fréquentes tous les jours, qui tu es tout le temps. Je te dis non. C'est des connaissances, des personnes que tu connais. Vous pouvez vous voir. Ah, comment tu vas? Ah, ça va, salut, ça va. Et vous pouvez vous retrouver sur la même table un jour en passant. Mais pour dire H24 être avec une lesbienne, pourquoi? Non, non, tu n'as pas d'amis lesbiennes, tu n'as que des connaissances lesbiennes. J'ai des connaissances lesbiennes. Mais Gugu, elle s'est inspirée de quoi pour dire la couche à toi? Mais Gugu s'est inspirée de quoi? Quand tu veux te faire connaître là, Tiesco le sultan là, il s'est inspiré de quoi pour insulter Arafat? Quand tu veux te faire connaître là, c'est où tu vas taper et puis en te regarder là. Là-bas, vous étiez amis ou vous étiez des connaissances, toi et Gugu? On était des connaissances. Pas amis? Et non, on a commencé, c'est-à-dire,
Non. Tu défends ta soeur. Attends, tu as commencé encore. Non, faut pas qu'il me défende. J'ai dit la vérité. Non, ne me défends pas. Tu as commencé encore. Tu sais pourquoi Défalé parle? Il te défend. Tu sais pourquoi Défalé parle? Je ne sais pas. Hein. Parce que Défalé a fait l'Europe. Nous tous, on était en France là-bas. Vous étiez dans le même domaine là-bas. Vous comprenez? Quel même domaine? Nous, on a fait France là. Nous, on a fait France. Si on veut parler ici, même qui a style de PD là, c'est toi? T'as dit en British. Maintenant, tu me dis, j'ai bien PD. Les anglophones, il y a beaucoup de PD dedans. Ah, ben vraiment, à fait, là, je ne comprends pas. C'est vrai, les PD, ça vit bien. C'est vrai, les PD, ça vit là-bas. Tu étais amené à Love Gugu. Vous m'avez posé une question, laissez-moi répondre. Effectivement, Love Gugu et moi, on s'est connus par le biais d'un ami. Et après, elle voulait faire des vidéos. On a tourné cette vidéo-là. Et on est devenus amis. Honnêtement. Mais en ce moment, tu savais qu'elle est. Mais tu dis même quand tu la vois, même là, tu sais pas. Moi, je sais pas. Peut-être que toi, elle a laissé la barbe maintenant. Elle-même là, c'est son choix de vie. Tu comprends? Donc, quand vous avez fait la vidéo, tu savais qu'elle était lesbienne. Mais je l'ai fait jouer en tant qu'homosexuel dans la vidéo. Oui, elle jouait le rôle. Oui, mais en dehors de ça, vous êtes resté amie et tu savais qu'elle est lesbienne. Oui. C'est ce que je te dis. Je n'ai pas de problème avec ça. Je n'avais pas de problème avec ça. Je n'avais pas. Parce que je parle de problème. Non, c'est la seule amie lesbienne que tu as. Actuellement là, oui. Que j'ai eu ou que j'ai présenté. En ce moment. Ah non, 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 je ne suis plus dans l'amitié du homosexuel. Donc tu n'as plus d'amis lesbiennes. Non, 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 je ne veux pas. Peut-être qu'elles sont et puis je ne sais pas. Hein. Mais je leur dis en même temps, je profite de la caméra là. Vas-y, oui. Si tu sais que tu fais ça et puis tu viens t'arrêter à côté de moi, que je découvre, ça va finir dans le sang. Mais ce que tu dis là, tu n'as pas peur de la puissance de la communauté lesbienne? Non, non, tu ça n'a rien à voir avec la puissance. Je dis, j'ai bien dit ici tout à l'heure. On est dans un milieu où on est obligé de collaborer avec eux, qu'on le veuille ou pas. Pas forcément. Non, il ne faut pas dire pas forcément, mon frère. Sinon, lui, il sait. Aujourd'hui, il y a des gens qui gèrent. Vraiment, il y a des personnalités qui sont dans ça. En Côte d'Ivoire ici. Hein. Non, je n'ai pas dit en Côte d'Ivoire, il dit dans le monde. Mais tu sais, moi j'ai confiance en toi. Tu es quelqu'un de très véridique. Hollywood. Moi je vise Hollywood. Mais Hollywood, tu as peur de la Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire ici, qui fait ça? Il n'y a pas. Non, dis-toi, tu as fait. Tu dis qui fait ça? C'est vous qui savez. Oh. Donc si j'ai fait là, j'ai compris. J'aime bien ton piercing. C'est sur ta langue. Merci, oui, oui. On peut voir. C'est pour ça que tu es venu ici. Je veux voir ton piercing. Tu as dit que tu l'appréciais bien, que tu n'étais pas fan. Il lui a dit que tu n'étais pas fait un compliment parce qu'après tu as devenu fan. Après, c'est voilà. Mon niveau ici, on les connaît. Voilà. Donc, Anaconda, on te connaît maintenant. D'accord, Défalé. Alors, Yves Dero, nous avons reçu ici plusieurs fois sur notre plateau, dans ton domaine d'activité, plusieurs humoristes. Et à chaque fois qu'on posait des questions, qu'on demandait aux humoristes est-ce que vous connaissez Yves Dero, qu'est-ce que vous pensez de le tout, franchement, on avait des réponses qui n'étaient pas vraiment agréables à entendre. Oui, à plusieurs reprises. Certaines même disent que je ne la connais pas. Bon, nous avons reçu la maman Gbazé Thérèse ici. Nous avons demandé voilà, est-ce que vous connaissez Yves Dero? C'est même moi qui ai posé la question. Elle m'a dit non, qu'elle ne te connaît pas. Maman Gbazé Thérèse? Oui, oui. Ah, pourtant, moi, je la connais. Bon, je ne la connais pas personnellement, c'est vrai. D'accord. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Okay. Surtout dans ma famille. Bon, après Dimanche Passion. Hein. Oui, après Dimanche après Passion. Après Dimanche Passion, ma famille. Bon, je pense qu'après ma famille, on n'a plus vu dans... Il y a eu... après ma famille, elle, tournait des... elle a tourné dans des spectacles. Ah, d'accord. Ok, donc okay, je ne suis pas à jour. Mais dans ma famille, avec Dosso et Amouin. Et voilà. Franchement, où elle dit, vas-y, me tuer même. Maintenant, elle dit, elle ne me connaît pas, c'est possible. Faut pas lui en vouloir. Ah bon? Non. Nous aussi. C'est clair. On est à elle, c'est-à-dire, aujourd'hui on est en 2021. Les moments basés là, c'est des gens qui sont encore. Ça, c'est le. Les moments basés, c'est l'humour naissant, c'est-à-dire, après les Léonard Grogu et tout ça. C'est préhistorique. Voilà, non, pas préhistorique. Ah, je ne vais pas dire préhistorique. Okay. Mais je vais dire, ils ont encore du mal avec tout ce qui est. Android, nouvelle technologie, technologie et tout ça. Et puis Canal Horizon, tout ça, tout le monde n'a pas. Quoi, tout le monde n'a pas Canal chez lui? Non, mais ce que. Parce que moi, j'ai commencé par Canal. J'ai commencé sur Canal. Donc, si quelqu'un ne te connaît pas, c'est que la personne n'a pas Canal. Bon, c'est que je suis en train de. Ne me mettez pas en parlant avec la femme. Je suis en train de dire que c'est possible. C'est que des fois, si elle n'a pas Facebook, parce que c'est sur Facebook qu'on me voit. Avec Instagram et YouTube, tu dis que tu ne me connais pas. C'est que les trois là, tu n'as pas ça.
C'est clair. Ah. Je suis passé sur Fafa, déjà. J'ai fait plein d'émissions. Tu dis, tu ne me connais pas. C'est que tu n'as pas télé. Bon. Maintenant, dans la fin, je te connais, tu ne connais pas. Là, ce que Défalé essaie de t'expliquer normalement, il y a pas mal des invités qu'on a reçus ici. On a dit que non, toi, tu viens d'arriver, tu as fait Hôtel d'Ivoire. C'est quelle connexion tu es dedans, tu allais faire Hôtel d'Ivoire? Parce qu'apparemment, c'est toi et Dibou Krava seulement qui avaient fait ce futur Hôtel d'Ivoire. Bon, Dibou, c'est récemment, non? Oui, c'est récemment. Voilà. J'ai été la première humoriste à ouvrir le bal à l'Hôtel d'Ivoire. Wow. Ça les fait mal, on dirait. Non, non, ça ne leur fait pas mal. Les Ivoiriens n'aiment pas la vérité. Les Ivoiriens n'aiment pas la vérité. On dit je suis imbu de ma personne, je suis gonflé, je ne suis pas humble. Ça me plaît. Vous savez, non, non. Ce sont les orgueilleux qui réussissent. J'ai remarqué ça. Parce que quand tu es trop humble, on t'envoie pour aller acheter des cigarettes. En temps normal, tu as assis à tes amis. Toi, ton ami peut te dire, va me prendre deux cigarettes. Non, pas du tout. Il ne peut pas. On est resté dans cette culture de on n'a pas confiance en nous. Vous savez, en Europe, quand les gens parlent avec vous, vous êtes Ivoirien, puis, oh, vous êtes trop drôle. On est reconnu comme les Africains les plus drôles. Mais on ne saisit pas ça. Vous pensez que une maman comme Basie Thérèse, une maman comme Adrien Coutois, ces grandes mamans de l'humour ivoirien, si elles avaient Internet que nous, on a eu aujourd'hui, on pouvait nous dans l'humour en Côte d'Ivoire? Pas du tout. On ne pouvait pas. Des gens comme les Zoumans dans tout ça, on ne pouvait pas. Mais comment tu finances ton spectacle à l'Hôtel d'Ivoire? C'est fond propre, mais c'est un gars qui te donne l'argent. Non, 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 c'est pas un gars. Mon spectacle à l'Ivoire, c'est sur fond propre dans un premier temps. Sur fond propre, hein. Tes économies toi-même, en fait. Oui, je me bats un peu, vrai. Et puis, elle vient un peu en Europe. Et puis, il y a quelqu'un qui va sortir de là-bas, qui n'a jamais voulu que je mentionne son nom. Tu es venu faire quoi? Je vais mentionner aujourd'hui. Ce monsieur-là n'est plus. Il s'appelle Ahmed Bakayoko. Ouais. Il a fait avec beaucoup. La permission de son épouse. Ces deux personnes-là. Il n'a jamais voulu, il m'a fait promettre que je n'ai jamais dit, mais qu'il me pardonne, je l'ai dit aujourd'hui. Sa femme et lui, qui m'ont donné un soubassement, mais j'ai déjà fini, même pratiquement, même dégéré tout. Mais tu vois, c'est le soubassement qu'on te donne, et puis, en bas. Ça consolide. Dans ta poche, Ça et puis tu montes sur scène. Tu es dévoué. Tu vois, non? Et puis tu finis de faire encore, et puis son chargé de communication, ton manager vient te trouver dans les loges pour dire que. Ah, et une autre enveloppe qui est venue encore pour dire que non, tu as bien joué. Tu as bien joué pour te féliciter. Ce couple-là, c'est pour ça qu'il dit je suis prêt pour eux jusqu'à demain. Il a fallu que je fasse l'Hôtel d'Ivoire, qu'on sache qu'aujourd'hui on peut faire l'Hôtel d'Ivoire. Parce que c'est une salle mythique. On se dit on ne peut pas. Oh, Hôtel d'Ivoire, là, c'est les humains qui s'asseyent là-bas. Ces tickets on vend. Mais il faut avoir un public qui peut payer 25 000, 30 000, 50 000 pour aller à l'Ivoire. Moi j'ai fait 50 000, voilà. 25 000 et 15 000, je crois, je ne sais plus. Non, mais je te dis, c'est gros cœur. Moi je préfère te dire, quand je partais faire l'Hôtel d'Ivoire, c'est gros cœur. Moi j'aime ça. C'est un challenge. Gros cœur, si elle tapait pour toi, elle tapait pour toi, mais c'est qui est sûr, on s'en va. J'ai fait, par la grâce de Dieu. Inch'Allah, on met tout dans les mains de Dieu. C'était pareil pour le spectacle du Palais de la Culture. Quand j'ai pris la 1500 places, les gens ont dit « Oh, toi, tu fais du Internet ouais. Tu t'en vas ?» Tu t'en vas. Il n'y avait pas de place, les gens étaient assis par terre. Ce que tu as fait, c'était une pièce de théâtre. Non, ce n'est pas une pièce de théâtre. Quand je dis Yves Hidoro fait son show, c'est Yves Hidoro avec une troupe. Ce n'est pas seulement une pièce de théâtre. Je commence par la danse. D'accord. Où je danse même avec des danseurs et tout ça. Je fais des sketchs que je mets en scène. Donc, il y a une trame. Il y a une histoire. Par exemple, le premier spectacle, j'ai commencé avec une danse, mais avec décor varétoscope. Pour rendre hommage à Ruth Tondé. Vous comprenez? Et on a parlé, on a fait une scène où on était dans une cour commune avec chaque habitant de la cour commune pour parler un peu de réconciliation. À la fin, on a parlé un peu de comment les Ivoiriens faisaient. C'est-à-dire parler aux étrangers, traiter les étrangers. Il y avait une dame sénégalaise à la fin qu'ils ont chassée. Tu vois, pour montrer un peu, pour dire non, on n'est pas comme ça. Tu sais pourquoi je te demande ça? Tu dois connaître bien Enis Zino. Il fallait la connaître. Parce qu'on lui a posé la question si c'était une copie, son spectacle. Elle a dit non, ce n'est pas une copie que toi tu as fait
une pièce de théâtre avec des acteurs. Elle, elle a fait un woman show seule parce que ça demande plus d'expérience, un woman show. Par contre, toi, il y a eu des acteurs, Donc, ce qu'elle a fait là, c'est plus fort que pour toi. Moi, j'ai commencé ce qu'elle a fait là. Moi, j'ai commencé ça à Paris, à l'Apollo Théâtre. Ma première scène, c'était à l'Apollo Théâtre. Ennis. Effectivement, ça demande beaucoup de travail. Elle a plus de talent que toi, alors, Ennis. Bon, Ennis et moi, on ne fait pas la même chose. Je le dis toujours. Moi, je suis actrice, comédienne, humoriste. Elle est colleuse de vidéos. Elle est quoi? Colleuse de vidéos. Waouh. Maintenant, si elle a pu faire un one-woman show, alhamdoulilah, ça veut dire qu'elle essaie d'aller un peu plus loin que ce par quoi on l'a connue. Vous comprenez? Et ça a félicité, ça a encouragé. Elle, en entendre parler, c'est toi qui dois faire un peu d'effort pour venir vers elle. Parce qu'elle a dit qu'elle joue seule du début jusqu'à la fin. Mais toi, bon, il y a des acteurs, tu n'es pas... C'est très bien. Moi-même aussi, ce qu'on joue là, c'est moi qui écris. Ce que je joue même à la télé, c'est 50 épisodes, je suis auteur. C'est moi qui écris tout. Nos vidéos qu'on fait sur Internet, que vous voyez, qui fait 3 minutes, 4 minutes, c'est moi qui écris, c'est moi qui réalise. C'est moi qui monte. Vous comprenez? Voilà. C'est attraper caméra là. C'est pas toujours c'est moi. Je sais faire. Mais je ne le fais plus. J'ai pris un petit pour faire ça pour moi. On n'est pas dans une concurrence. D'accord. On est... C'est-à-dire, il faut qu'on fasse parler de l'humour féminin ivoirien. C'est important. Il faut qu'on vende le drapeau de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on vende l'humour de la Côte d'Ivoire. Donc, lui, il est fort qui... Lui, il l'a fait comme ça. Tu ne rentres pas dans ça. Moi, je ne suis pas dans ça. Tu n'es plus à ce niveau. Non, je ne sais pas que je ne suis plus à ce niveau. Je n'ai jamais été dans ça. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, moi, je ne joue pas dans les bacs à sable. Donc, tu es sorti de la cour de récréation comme moi, alors. Oui. Moi, la cour de récréation. Tu es musulmane. La religion musulmane, c'est une religion de pardon, de tolérance, d'amour et de paix. Mais toi, on t'a demandé de retirer ta plainte contre Dieu. Toi, en tant que musulmane, tu n'as pas retiré cette plainte-là. Vous savez, non. Les gens parlent de ce qu'ils ne savent pas. Je suis musulmane, oui, je n'ai pas un cœur de pierre. Mais en même temps, l'islam nous demande l'amour, la tolérance, le pardon, la paix. Mais l'islam n'encourage pas le mensonge. L'islam n'encourage pas l'homosexualité. Oui. Voilà. Un enfant de Dieu a été accusé à tort. Oui. Et c'est d'une telle saleté. Mais ça, c'est la Dieu lave ça, tu sais ça. On avait, bon, ça c'est moi, c'est qui est-ce que Dieu lave ça? Quand on a la foi, on a la croyance, lui le chrétien, il le sait, Dieu lave. Mais quand on demande pardon... Laisse-moi terminer, mon frère. Vas-y. J'ai dit, Dieu lave, ça c'est en Dieu, puis la personne qui a fait. Moi, je ne suis pas là-bas. Tu ne crois pas? Je ne suis pas là-bas. Non! Pas que je ne crois pas. Si tu te répands. Si tu te répands. Tu te répands honnêtement. C'est comme le pardon. Un pardon sincère est pardonné. Oh, tu sais de quoi je parle. Mais quand tu viens demander pardon et tu continues de mentir. Ah, tu m'as vu, j'ai tué ton frère. Tu m'as vu. Je viens, je te demande pardon. Il te dit non, je te demande pardon. Mais c'est pas moi qui l'ai tué. C'est une foutaise. La personne se fout de toi. Oui, c'est vrai, c'est une foutaise. La personne se fout de toi. Dans ton cas, il y a tellement de pardon. Non, mais qu'est-ce qui dit que je n'ai pas pardonné? C'est quoi qui vous dit que je n'ai pas pardonné? Est-ce que la plainte a été retirée? La plainte ne pouvait plus être retirée puisqu'on a été entendu à la PJ. Non, mais avant que tu aies porté la plainte, tout le monde t'a demandé pardon. Tes amis, tout le monde peut-être même défendu t'a demandé pardon. Tu sais, il y a pardon et puis il y a pardon. Quand quelqu'un te demande pardon, déjà il y a eu arrestation à l'aéroport. Pourquoi elle n'a pas dormi au Niouf ce jour-là? Là, c'était la procédure normale. Non. Il y a eu des interventions. Le policier lui a demandé, quand on t'a libéré là, est-ce que tu as approché ta soeur pour que vous puissiez discuter? Parce que normalement, vous ne devez même plus revenir ici. Mais quand elle est sortie le lendemain, il y a eu des vidéos de nargues. Des vidéos d'injures. Des vidéos d'insultes. On m'a insulté. On a insulté ma famille. Ah, toi aussi, hein, frère. Ma poitrine, là, c'est pas Caillou qui est dedans. Vous savez, cette dame, ça a été une amie, ça a été une soeur. Elle n'est pas méchante. Aujourd'hui, j'ai dit devant la caméra. Elle va regarder, elle sait. Augustine n'est pas méchante. Mais on est dans une affaire de star attitude, star mania, qui fait que tu es obligé. C'est-à-dire, quand tu as lancé un qui aille, faut aller jusqu'au bout. Eh, ça. C'est dans ça elle est. On fait signe, Inch'Allah. Un jour, la vérité va sortir.
Apoutchou, il a commencé la musique en tant que blogueur. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu penses de savoir, mais il sait chanter? Apoutchou, un jour, il avait fait un direct où il chantait. J'ai mis dans les commentaires, j'ai dit, il ne faut pas négliger ça. Non, il chante bien. Bon, on dit qu'il a fait sortir un morceau. Honnêtement, je n'ai pas encore écouté. Tu n'as pas encore écouté? D'accord. Je n'ai pas encore écouté, donc je ne peux pas me prononcer. Mais on ne t'a pas vu sur les affiches de son spectacle en tant que pour les blogueurs à Paris. Mais toi-même, tu dis les blogueurs. Ah, d'accord. On n'a pas dit le cinéma ou bien un comédien ou bien tu. Est-ce que tu as vu les gars là-bas, là, sur son affiche? Non, on s'est dit que Psylomé ne t'a pas invité. Ah bon? Bon, il va m'inviter dans l'affaire des blogueurs. Non, en tant qu'une invitée, c'est pas non, facile non, pour non, non, statut. Non, moi, je ne voulais pas qu'il m'invite. Tu n'as pas vu comment ça s'est passé là-bas, là, où on tirait les habits des gens. Là. Moi, mes cotons qui coûtent cher un peu, là, on déchirait ça. Non, c'était mal organisé. Bon, ça, on a vu. Mmh. On a vu. Moi-même, mon frère était dans l'organisation, c'est à bout, à bout. D'accord. Moi, je d'accord. n'aurais pas organisé ça comme ça, mais c'est à saluer. Parce que c'est une première édition. Exactement. Et une première édition, il y a toujours des petits ratés. Ouais, après, l'année prochaine, vous allez voir ce qui va vous sortir. Yves, il y a une dame qui t'a dit qu'il y a une dame qui t'a donné 4 terrains. C'est quoi vos rapports? Elle s'élève comme ça, elle te donne 4 terrains. Elle a été touchée par ce qui s'est passé. Du fait que tu étais accusée d'homosexualité, elle t'a donné 4 terrains. Oui, c'est son mari et elle. Elle n'a pas des intentions. Son mari et elle. Je ne sais pas. Je te demande. Mais c'est lui qui t'a donné 4 terrains. Son mari et elle. Yves, donc, si on t'accuse, et puis les gens se donnent 4 terrains, ils t'accusent en 6 ans, pas d'accord. C'est pour elle-même que j'ai dit. Ah bon? Oui. Sinon, c'est bizarre. Il y a des gens, il y a un ministre, même, je ne vais pas citer son nom, qui m'a appelé. Je suis allé le voir, il m'a remis une enveloppe. Waouh. Dans les dessins animés aujourd'hui, il y a affaire d'homosexualité. Il y a des petits dessins animés où il y a affaire d'homosexualité dedans. Dans les films, télé-novelas ou bien quoi, là, on nous impose ça depuis quelques années. Et aujourd'hui, on veut passer par de grandes figures. On voit quelqu'un qui est en train de monter. On va mettre ça sur lui. Si ça passe crème, ça va rentrer dans la tête de la jeunesse. Les gens vont accepter. Ah, on aime une vidéo. Ah, une vidéo, même moi. Eh bien, les lesbiennes, non, on fait comment? Non, non, non. Je ne suis pas dedans. On va passer par toi. Non, 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 non. J'aime bien ton message. Voilà, je ne suis pas dedans. Tu as des entreprises. C'est quoi tes différentes entreprises? J'en ai 4. Oui, c'est quoi les 4? Eh bien, j'ai Waraba Group. D'accord. Voilà, avec plusieurs branches dedans, Waraba Production, Waraba Communication, Event et tout ça. J'ai Precious Essence Cosmétique, ma marque de produits cosmétiques. J'ai Jane Noor, ma marque de vêtements que j'ai lancée il n'y a pas longtemps. C'est ce que tu portes là? Non, non, je ne porte pas Jane Noor là. Et le sac, c'est un Jane Noor? Non, 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 le sac, c'est un Longchamp. Waouh. Voilà. Paris. Et aussi, il y a la nouvelle société qui est en train de naître. Il y en a 2, mais celle qui est vraiment... Les documents sont terminés. C'est une société de phytosanitaire. Wow. Phytosanitaire. Voilà. Et puis, la 5e, Inch'Allah, c'est pour tout ce qui est distribution de volailles, tout ça. Non, t'es une femme d'affaires. C'est la deuxième femme d'affaires qu'on reçoit. Bon, oui. Sabine Dier. J'ai dit la femme là. Dites-lui que je l'aime. Oui, mais wow. On va lui dire ça. On va lui dire ça. Je l'aime. Nous même, on l'assume. Ouais, je l'aime. Nous même, on l'aime aussi. Madame, je t'aime. Ouais. Sabine. Alors, Sabine, message de vidéo, elle dit t'aime beaucoup parce que tu t'assumes. Voilà. Bon, bientôt, on t'invite pour la robe jaune. Là, on casse ça, toi. Ça fait gâter. Ouais. Aujourd'hui, Yves pèse combien en CFA ou en euros ou en dollars? Sans modestie. Hein. Mais voici. Là, voici le poids qu'elle a. Moi, je pèse. Moi-même, là, je pèse 87 kilos. Vous voyez, j'ai perdu un bébé, 92. Maintenant, il fait 87. C'est mes os qui sont lourds. 87. Non, il faut multiplier ça. Mais je tiens à saluer Anaconda. Je tiens à saluer quelqu'un particulièrement. C'est très important. Je salue sa mémoire. Le père de Yves Dereau, parce que je l'ai connu très petit. D'accord. J'allais même à 16h par moment parce qu'on était voisins. Prendre un peu d'argent, acheter la loco et tout ça. Tu vois ça. Mais il faisait quelque chose de très important. Il était formateur en couture. Il avait son atelier. Il a formé vraiment beaucoup de jeunes. Et aujourd'hui, ces jeunes-là, ils ont tous des ateliers, ils sont basés, ils se suffisent. Tu vois ça. Et vraiment, je salue sa mémoire. Voilà, la haute couture. Hein. Il fait partie des meilleurs même en Côte d'Ivoire, des précurseurs de la haute couture en Côte d'Ivoire. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui était vraiment assez bien et tout. Donc, financièrement aussi, je tiens à saluer sa mémoire. Wow. Voilà, c'est important. Salutations. Ouais. Tes allées venues, tu fais partout au monde, là. Ça veut dire que des visas ou mais tu es française? J'ai la carte de résidence. Ouais, résidence. Voilà. Qui te permet de partir, venir tout le temps. Avant ça même,
Ah. J'ai eu ma carte de résidence où je suis partie avant-hier. Moi, je ne m'en parle pas. Il y a des gens qui ont fait vidéo pour dire que moi, je les ai consultés pour prier pour moi il y a 3 ans pour que j'ai 10 ans. C'est cette année que j'ai demandé les 10 ans. Et par la grâce de Dieu, tu l'as eu. Oui, tu je devais avoir les 10 ans il y a 2 ans, mais je ne l'ai pas demandé. Parce que comme je voyage, tu as dit, quand je m'en vais, c'est quand on me donne la réponse. T'as-tu eu de bons rapports avec maman Félix Aoulaba? Ah, ça, c'est ma maman chérie. Mm. On n'a pas de bons rapports, mais elle demeure ma maman. Vous n'avez pas de bons rapports, mais elle demeure ta maman. Oui. Quand maman est plus enfant, il n'y a pas là. Il y a toujours pas là. Voilà. Il paraît que tu as demandé pardon, mais tu veux. Oh non, je ne veux pas son pardon. Elle veut venir avec toi. Elle veut venir à Abidjan. Venez vivre avec toi, mais venez te voir. Non, elle veut venir à Abidjan. On dit que c'est moi, je détiens l'aéroport actuellement. Il faut que les Ivoiriens comprennent que les blogueurs là, sur Internet, là, c'est de gros menteurs. La plupart même, il y a beaucoup qui ont faim les dents. Tu peux nous donner quelques noms des blogueurs qui ont faim? Non, quand tu les vois même, tu sais. Mais Apoutou, lui, n'a pas fait, il est bien gros là. Mais tu vois pas Apoutou qui est là, il a faim. Si Apoutou a faim, c'est qu'il va nous manger nous tous. Ah bon? Ça va, il se suffit. Mais bon. Il se suffit, ça va. Mais je veux dire, ça sert à quoi de venir prendre ta caméra et tu insulter quelqu'un, ton frère? Ou bien dire, Yves Dereau ne va pas avoir ses papiers, allons marcher devant la préfecture. J'ai la jalousie. C'est Yves Dereau. On va appeler la CAF. On va appeler. Moi, la CAF, là, depuis ma fille, elle a 3 ans, je ne touche pas la CAF. Waouh. Je me bats. Moi, je suis une fille, j'aime me battre. Donc la CAF, même quand vous allez les appeler, peut-être ils doivent même, si je ne sais pas. Non, ils vont te faire appel. En ta rappel là, c'est ma petite rappel. Tu es de quelle ethnie? Je suis à Vicam. Mon père est à Vicam, Brian. Brian. Ma mère est Cap-Verdien, Dida. Ah voilà, c'est ce côté Cap-Verdien là qui nous fatigue. Ça donne plus d'éclat à ta beauté. Adama. Il avait le braquet comme ça. Ouais, mais j'étais dit, il avait le monsieur là. Le début, il a commencé. Alors, Yves Dereau, récemment, il y a la maman que je connais bien aussi, à qui je salue aussi maintenant, qui est une maman à nous. Je sais aussi que tu es parenté à elle. Maman Christiane Lévry, qui a fait une sortie sur les réseaux sociaux te concernant, car elle n'était pas très contente de la manière dont tu aurais géré une situation avec elle. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Bon, ça là, j'ai répondu ça dans une émission avec Guillaume Vergès. J'ai dit, ce n'est pas Christiane qui a fait la vidéo. C'est pas, vous l'avez confondu. La femme qui a fait la vidéo, elle ressemble à Christiane. Mais ce n'est pas Christiane. Mmh. Christiane n'a pas fait vidéo, ça, là. Tu es parenté à Christiane? Oui, c'est la petite soeur de maman, même père, mère. Ah, attends, elle ne peut pas se permettre. Elle ne peut pas faire ça, toi aussi. Christiane, que toi, tu connais, moi, il fait tout pour elle. Mon père la corrompt aussi. Hein. Non, 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 non. Christiane, là, où je mets mon pied, c'est là-bas, elle met son pied. C'est moi, je mets mon pied, et puis elle met son pied derrière. Tu sais ça? Bloquer le caillou. Oui. Tu vois ça. C'est-à-dire que Christiane, là, c'est mon gilet par balle. Quel âge? Donc, mon gilet, papa ne peut pas venir faire vidéo. Pas du tout. On dit non, non c'est une femme qui lui ressemble. D'accord. Donc, les gens ont cru que c'était. Dis non, c'est pas Christiane. Christiane, pas Christiane. Tous les coups que tu as vécu là, comment tu as pu surmonter ça? C'est quel caractère pour surmonter ça? C'est l'islam. C'est la prière. Oui. Si tu es catholique, il faut prier. Si tu es évangélique, il faut prier. Si tu es musulman, il faut prier. Parce que j'imaginais tes nuits. Comment tu dormais, comment tu étais? Tu te lèves, tu sais que on dit c'est quand il y a problème, l'homme connaît Dieu. C'est la vérité. Mm-hmm. C'est le moment le plus difficile que tu cherches Dieu. Mm-hmm. Parce qu'il paraît que même que ça pourrait jouer sur tes partenaires sponsors par rapport ça à tes jouait. Événements. Ils pouvaient se retirer. Ça jouait, voilà pourquoi je dis toujours, je salue ma chaîne. Parce que c'est mes seuls partenaires qui sont restés avec moi jusqu'aujourd'hui. D'accord. Qui t'ont soutenu dans cette. C'est quand l'affaire est sortie qu'on a su qu'il y avait mensonge. Parce que la personne a dit il y a les preuves. Ouais. On n'a jamais vu les preuves qu'aujourd'hui. Pas du tout, oui. C'est là maintenant, les partenaires là, sont en train de revenir un peu. Maintenant, c'est moi, maintenant, j'ai choisi. Mais l'homme qui vit là, elle a un piercing, non? Oui. Comme toi aussi, tu as un piercing. Oui. Sur ta langue aussi. Oui. Ah, d'accord. Donc, toutes les femmes qui ont piercing sont lesbiennes? Non. Mais elles savent la paix. Toi, tu as bout d'oreille dans tes oreilles. Elle t'en jump là. Elle t'en jump grand PD. Mais il ne mettait pas deux. Non, non, non. Il mettait deux. Elton John, il avait beaucoup de lunettes de que toi. Et il aimait bien tes lunettes, ton modèle de lunettes. Non, lui c'était des classiques simples. Ce qui est sûr, il portait des lunettes noires. Avec, il est un peu bab, un peu grisonnant comme toi, non? Donc, non, c'est donc, pas. Non. Ton piercing là, c'est pas un manque de respect. Mais non, tu guis à même piercing que toi. J'ai dit que Elton John et toi là, c'est un manque de respect. Non. J'ai dit. Yes. Bout d'oreille, lunettes, barbe blanche. Comme Elton John. Comme Elton John là. Non, c'est un des vidéos aussi.
Donc tu es pédé. Donc quand on a le style de Elton John, alors que ça c'est mieux pour le style de Elton John. Tu t'es formé. Mais pourquoi piercing là ça te fait mal? Non, ça me fait pas mal. Tu as même piercing qui love cucu, ça te fait mal. Non, ça me fait pas mal. Mon piercing, je l'ai avant même le décès de mon papa. Ça dit je l'ai depuis 2007 comme ça. Le piercing là te sert à quoi concrètement? J'ai aimé et puis j'ai fait. Mais ça te sert à quoi? Ça me sert à quoi comment? Mais la boucle d'oreille te sert à quoi? Mais ça c'est visible, c'est un style, c'est visible. Ah, c'est un style. Ouais, quand c'est pour toi là, c'est un style. Mais... quand c'est pour les autres là, ça sert à quoi? Oui, piercing là. Toi quand tu mets dans tes oreilles et puis ton gars là prend pour tirer. C'est pas pour moi aussi là. Mon mari prend pour tirer. On t'a pas entendu concernant le problème du grand frère Yves Dembélé. Tu lui as apporté un soutien. C'est vrai qu'il a été accusé, mais bon. C'est quelqu'un quand même dans son passé, il a apporté beaucoup de bonnes choses à la Côte d'Ivoire. L'histoire de Yves Dembélé, ça me fait mal. Parce que les Ivoiriens ont été un peu méchants. En Côte d'Ivoire ici, on profite des stars, mais on ne fabrique pas les stars. Yves Dembélé, là, il nous a apporté beaucoup. Oui. Bien sûr. Yves Dembélé, il est Camerounais. Il pouvait aller faire ça dans son pays. Là-bas. Bien sûr. Mais il a choisi notre pays. C'est comme ça qu'on a fait à Conseil-Eka. On a fait ça à beaucoup de personnes. Et quand maintenant, on est fâché, on sort des méchancetés jusqu'à... on veut casser la personne jusqu'à... on veut voir la personne à terre. Aujourd'hui, le monsieur, est-ce que vous savez peut-être moralement ce que vous lui avez fait? Un pays qui l'a aimé comme ça. Regardez, il y a des heureux qui arrivent. À tout le monde. C'est pas comme s'il a pris le gars comme ça pour aller violer quelqu'un. Pas du tout, pas du tout. Il a fait une émission, il a mal géré, ça peut arriver. C'est clair. Une mauvaise association. Tu sais, le direct là, on est dans l'ambiance. Oui. Et vous connaissez Yves, il est beaucoup taquiné. Oui. Donc, les gens ont mal pris. Il a demandé pardon. Oui. Moi, je pense qu'on aurait dû calmer. Calmer quand même. Franchement, oui. Mais où c'est allé, c'est un peu méchant. Sincèrement dit. C'est moi, si vous voulez... vous pouvez m'insulter. Moi, il y a longtemps, vous m'insultez. Ma longue bouche, mon front, mes mollets, je suis musclé. C'est quoi vous allez dire encore? Je m'en prie. Ce qu'on a fait, Yves Dembélé, franchement, c'est méchant. C'est méchant, ça, c'est d'accord avec toi. Ah. Entre une juriste de bise et une lesbienne, qui est mieux selon toi? Les deux mêmes sont à crucifier. Bon, et par exemple, les filles qui disent bon, qu'elles sont des femmes battantes, oh, nous tous, on sait que c'est des grandes juristes de bise internationales. Donc, c'est comment ça l'osait? Si tu connais une, dis son nom en même temps, on va la diviser. Parce que moi, je vais pas parler. Vous parlez, vous ne dites pas les noms. Tu es un gars de la jet set, vous cassez les papos, voilà, cassez les papos. Tu dis le nom et puis on parle de ça. Vous parlez. Je pense que on est arrivé à la fin de l'émission. C'est moi, vous n'allez pas. C'est le monde de l'esprit qui avait venu. C'est non, celui qui voulait faire ça. C'est le monde de l'esprit qui avait venu. Non, pas les. Pas de beau, il n'a rien dit. Il ne faut pas écouter ces deux-là. Quand même, tu as dit, quand on vient ici, là, il te mélange pour te mettre en page. Alors, dans le dossier, nous dirons à la fin de notre émission avec Yves Dero. Alors, Yves, ton mot de la fin à tous ceux qui t'apprécient aussi. Yves Dero, c'est le feu tricolore désormais. Wow. Voilà. C'est moi qui mets au rouge. Je mets à l'orange, je mets au vert. J'ai mis au rouge actuellement, avec cette émission-là. Quand l'émission va sortir, je sais que Facebook sera au rouge. Je vais donner un peu de visibilité à beaucoup de blogueurs, à beaucoup de femmes ménagères qui sont à la maison, qui n'ont rien à faire, mais qui ont un téléphone, qui veulent pouvoir utiliser leurs data. Donc les gens vont parler. Et puis après, on va mettre au vert encore. Encore, voilà, c'est important. C'est important. Il y a des parties en toi que tu as refait? Non, moi, je suis musclé. Ça là, tout le monde sait ça. Père m'arrêter, mais vous allez regarder. Je n'ai rien refait. Rien. Tout est naturel. Tout. La chair, là. Je n'ai rien refait. Actuellement, là, je vais refaire. Mais je vais finir mes enfants d'abord. C'est quelle partie tu es refait? Ah, nous tous, on veut avoir le bon plat ici. Ah, c'est bon. Mais parce que c'est les fesses que vous voulez refaire. Non, mes fesses, là, c'est bon comme ça. C'est mon ventre, là, je vais diminuer. Pour faire forme guitare. Bon, je salue Zumbak, le propriétaire d'ici là. Voilà. Je salue sa femme aussi parce qu'ils sont très gentils. Ils aident aussi beaucoup les artistes, il faut dire ça. C'est important. Ils voient FM aussi, franchement. Ils voient TV. Voilà, ils voient TV là. Hein. Alors, merci à tous ceux qui nous suivent sur toutes les plateformes, internet, les réseaux sociaux, partout. Ce Fafa avec Yves Dero, elle a dit tout. Tous les papos étaient cassés. Maintenant, désormais, vous savez de quoi on parle. Elle a dit. Je suis le feu tricolore. Oui. Elle a mis au rouge. Donc, recevez le rouge
dès maintenant, dans vos maisons, dans vos téléphones et dans vos data. Merci, sortez couverts sur tout bien des choses. À la marraine Mathilde Erika, à toute la grande famille. On ensemble.